Non, je pense pas qu'il y ait un problème dans les têtes. Comme je l'ai dit auparavant, on est composé de grands, voire de très grands joueurs. Donc forcément, des joueurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'expérience de savoir vite switcher dans la tête. Bien sûr, on sait que ça fait, comme vous l'avez dit, 5 matchs qu'on n'a pas gagné en Coupe d'Afrique, mais ça, c'est simplement des statistiques. Le plus important, c'est ce qu'on fait sur le terrain et surtout comment on se sent au quotidien pour pouvoir ensuite retranscrire le jour de match.